Eh bien, yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la suite et le dernier épisode de notre aventure sur Tavern Manager Simulator. Donc, une petite vidéo, contrairement aux autres que j'ai pu sortir durant ce périple, on va dire. C'est tout simplement parce qu'on arrive à la fin. Donc, vous l'aurez pas vu, mais j'ai fait quelques améliorations. J'ai découvert aussi pas mal de nouveautés, de choses que je pourrais vous partager. Mais en termes d'amélioration, on est à la dernière vraiment qui nous a rapporté quelque chose. Voilà, le reste, ça revient. C'est l'agrandissement de la taverne. Et nouveaux clients et tout ce qui va avec. Donc, les nouveaux événements, je peux vous mentir, on les voit très peu, on les voit quasiment pas même. Les nouveaux clients. Quasiment pareil aussi, hein. On va dire que s'il y en a un, je crois qu'il y a un gourmet qui arrive, et pour le chevaux, les chevaux, pardon. Je vais vous montrer ça après. Mais donc, du coup, voilà, pendant cet épisode, on va passer ce level. Moi, en plus, bien entendu, j'essaierai de monter là parce que le succès, il y a 0,3%, hop là, des personnes qui l'ont. C'est celui-là, level 12. Bah maintenant, du coup, c'est monté à 3,7. Donc, ça prouve qu'il y en a qui continuent à jouer à ce jeu-là. Je sais pas s'il est vraiment du bruit ou pas. Mais en tout cas, ouais, il y a 883 personnes actuellement dans le jeu. Sachez qu'il vaut, je vous l'ai pas dit, mais il vaut 11,69 € actuellement en promo sur Steam. Donc, n'hésitez pas, encore, pour ceux qui le veulent. Après, c'est une petite promo, hein. Il a 12 euros sans la promo, donc 13 euros, pardon. Donc, c'est pas ouf, on va dire la promo, mais c'est déjà ça. Donc, par rapport à la déco, ici, vous voyez qu'on a, j'ai tout acheté, j'ai tout posé, les améliorations que vous avez vues, les meubles, pareil, tout acheté, les ressources, comme vous pouvez le voir, on en a quelques-unes quand même encore. Je me permets juste d'en acheter de nouvelles parce que, on va faire une petite vidéo quand même, donc il faut quand même que on puisse fournir les clients. Hop. Du coup, je voulais vous montrer. Bah voilà, vous voyez ça. C'est la. Voilà, non, vitesse. Désolé. C'est qui elle? Je crois que c'est la mage. En fait, vous avez la mage et une gourmette qui vient. Juger votre. Bah, je crois que c'était un gourmet, vu qu'elle a dit que la qualité de la nourriture était pas folle. Pourquoi la qualité de la nourriture n'est pas folle? Comme vous voyez là, moi quand je fais du steak, ça brille de mille feux. Donc il n'y a qu'une seule et unique raison à ça. C'est l'effet, tout simplement. Donc, pourquoi l'effet? Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc l'effet, on va commencer par leur remettre de la nourriture. Donc l'effet, vous voyez bien qu'il y en a qui a par exemple vaisselle, serveuse, cuisine, livreux, cuisine, serveuse, serveuse, barman, serveuse, serveuse, serveuse. Bref, voilà, donc il y a quand même pas mal de level. Enfin pas mal de choses. Mais ce qu'on n'avait pas vu, et ce que je n'ai pas vu niveau professionnel, c'est ça qui en fait dit si elle fait de la bonne cuisine ou pas, ou les choses dans le genre. Donc c'est pour ça que depuis le départ, moi j'en ai deux à la cuisine. Et ces deux à la cuisine. Non, je crois que j'en ai qu'une, parce que l'autre c'est le barmaid. Elles sont level 6, 7, 8. La max c'est level 8. C'est celle qui fait la vaisselle depuis tout le départ. Mais en gros, selon leur level, elles font soit la vaisselle plus rapidement, les serveuses pareil, les cuisinières, bah, ça fait de la meilleure nourriture. Donc en soi, l'effet ont un intérêt. C'est aussi très bien qu'ils mettent un système de niveau pour les faits. Ce qui est dommage, c'est que même level 5-6, la qualité ne s'améliore pas non plus des masses. Vous pouvez le voir d'ailleurs par la même occasion, je ne vous l'ai pas dit, je ne pouvais pas le voir. Mais on a bien agrandi la taverne. Hein, on était là, elle est passée ici. L'agrandissement a fait ses preuves. Après, comme vous pouvez le voir, de toute façon, il ne reste plus grand-chose à passer en termes de déco. Parce que j'ai déjà tout placé quasiment un peu partout. Donc là aussi vous pouvez voir, voilà. Au début je comprenais pas pourquoi on avait beaucoup de déco ou des trucs de merde comme ça. Et bah maintenant je comprends parce que la taverne c'est vraiment pas mal amélioré, agrandi.
Comme vous pouvez le voir, bon là on l'avait déjà fait en vidéo. Comme vous pouvez le voir ici du coup, là vous voyez, hein, j'ai mis tout au dépôt, j'ai fait tout un pan où je voulais mettre justement la verdure. Tac. Hop. Juste monter un peu le son du micro. Donc oui, on voit que j'ai mis de la verdure là. En fait, je voulais faire un truc assez cool et stylé, mais avec toutes les décos que j'ai, je ne pouvais pas me permettre de faire un truc stylé. Par exemple, j'aurais voulu mettre un peu de fleurs ici, un autre là, je voulais en mettre un là, mais bon, je préférais faire ça comme ça. Même à la limite, on peut le faire en vidéo, c'est pas très très très, très grave. J'avais passé juste ça là pour me rappeler que j'en avais. Hop. Même pour vous dire ça, je voulais le mettre sur des armoires. Mais impossible de les mettre sur des armoires. Et du coup, je me suis fait boycott comme il se doit. Comme il se doit. Hop. Voilà ce que je voulais faire à peu près à chaque... à chaque truc. Et bon, autant que je le fasse avec vous un petit peu. Je fasse une partie avec vous, là. Pour que ça rende un peu plus stylé. Moi, ce que je suis déçu, c'est voilà, on peut pas monter, on peut pas les mettre ni là-dessus, on peut les mettre nulle part. Et ça, c'est assez décevant, je dois dire. Hop. Là, par exemple, je peux pas la mettre parce que bon, ça serait trop, tout simplement. Là, je peux en mettre une petite là. On va en profiter pour servir nos VIP. Et tac. Après, j'ai pas essayé, mais est-ce que... Ouais, je peux en mettre là. Mais ouais, mais à chaque fois, je peux pas en mettre sur... C'est assez décevant que je puisse pas en mettre... Même là, regardez sur le petit truc, là, j'aimerais bien en mettre, mais je peux pas. Donc, bah, s'il y a un développeur qui passe par là, ce qui m'étonnerait fort, mais n'hésitez pas à régler ce petit détail qui pourrait changer pas mal de choses. Après, si je dois dire mon avis sur le jeu, il est vraiment très très classe. C'est typiquement ce que j'aime faire, moi, personnellement, dans les jeux, mais le plus gros bémol, c'est que c'est extrêmement répétitif. Il y a des ajouts à part, je pense. Inclure d'autres faits, à la limite. D'autres styles de clientèle, des chevaliers, des trucs dans le genre. Même là, il y a la possibilité peut-être de se faire je sais pas, un champ ou un truc de merde ici. Pour qu'on puisse, par exemple, faire du fromage avec des vaches qu'on aurait dans un enclos ici. Enfin, voilà, il y aurait tellement de possibilités. C'est aussi, d'où aussi l'importance d'avoir mis des faits. En plus, ça aurait été encore plus utile pour nous et comme pour en fait les développeurs, parce qu'ils auraient, je pense, plus de possibilités. Nouveauté aussi, bah, c'est qu'on a un entrepôt qui a grandi, qui a très bien agrandi même. Donc c'est quand même une belle... maintenant, on peut vraiment commander à fond. Enfin, ça se voit un peu parce que mon argent a quand même pas mal descendu. Bon, après, ça se voit parce que j'ai aussi acheté pas mal de déco et toutes ces merdes et tratatri, tratatra. Grosse nouveauté aussi. Bah, du coup, maintenant, on s'occupe des chevaux. Donc, comme vous pouvez voir, la mission actuelle, c'est les chevaux, cheval repartir heureux. Donc, en gros, il faut rien faire avec, hein. C'est leur donner de l'eau, nettoyer la merde qui est derrière eux, et puis, on est bien. Et voilà comment on met de l'eau. Bon, rien de plus facile, de plus simple. Tac. Voilà, donc, les toilettes, c'est pareil. Du coup, j'allais le faire, mais l'effet se débrouille plutôt bien quand ils sont XP1. Hein. Là, bah, j'allais faire aussi, mais je vois qu'elle se... Non, non, vraiment, c'est l'effet quand elles sont pas buggées. C'est le top du top, j'ai envie de vous dire.
Là, du coup, top sale, comment sale? Du coup, il y a eu des gens qui ont dégueulassé. Bah, ils ont peut-être pu mettre une fée qui nettoie aussi. Parce que c'est vrai que actuellement, je passe plus mon temps à balayer que à faire autre chose. Surtout depuis que j'ai toutes mes fées. Voilà. Nettoyage. Donc la steak soup, c'est eux qui vont s'en charger. Moi, ce que je fais souvent aussi, c'est ça. Voilà. Et là, du coup, je ramène de l'eau. Mais pourquoi j'ai encore... Il est encore aussi sale, ma taverne, là. Enfin, ça aussi, tu vois, ils auraient pu faire quelque chose. Là, on voit le mec en folle partie. J'espère que le prochain arrivera vite, parce que c'est quand même assez long et chiant pour l'émission. Parce que vous avez pas, je vous ai pas, justement, j'ai fait exprès de vous reprendre ici, maintenant, parce que, à la fin, c'est du grand n'importe quoi, hein. C'est, faut servir 50 de chaque truc, non, non, c'est affreux. C'est vraiment. Mais moi, j'ai été à deux doigts de vous. Sans vous mentir, hein, j'étais à deux doigts d'arrêter parce que il n'y avait aucune nouveauté. C'était. Fallait 50 plats de chaque truc. Donc, c'était vraiment. Ouais. C'était pas une dinguerie. Du coup, ça, c'est propre, c'est bon. Maintenant, faut que j'arrive à nettoyer. Correctement. Ouais, je peux pas sortir mon balai. Ah. Par contre, ma taverne était sale juste pour si peu. C'est pas une taverne de luxe, hein. D'accord. Va le faire pendant qu'on y est. Tac. Par les slaves, les fées, elles ont le droit de se reposer aussi. Ouh! On n'est pas passé loin. Hein. Putain, il y a déjà plus d'eau. Donc, vous voyez, à part ça, à part nettoyer et faire de l'eau et du bois, c'est tout ce que je fais maintenant, quasiment. À part pour les commandes urgentes, comme à l'instant. Autrement, en règle générale, je ne fais rien. Ou à part parfois comme ça, là, quand vraiment, je me fais chier, je file un coup de main. Tac, là. De soupe, est-ce qu'ils ont pris des soupes? Apparemment, oui. Après, ce qui est bien, c'est que la taverne commence, enfin, prend vie au fil du temps, donc c'est quand même quelque chose de plutôt pas mal. Un steak, deux saucisses, ok, c'est bon. Ils se font, mais ouais, ils deviennent de plus en plus efficaces. Et ça, les amis, je peux vous assurer que c'est vraiment pas mal. L'autre, il rentre en train avec des chaussures sales. Ça me délecte. Hop. C'est qui la commande urgente? Ok, lui s'en occupe. Tac. Ok. Là-bas, la commande urgente. C'est quoi une bière? Mais je vais l'emmener à sa place parce que
J'avoue que c'est un peu long. Hop. Donc dans l'an prochain canasson, j'ai envie de dire, bah dès qu'il a fini de manger, donc je vais vraiment le servir maintenant. Voilà. Comme ça, on pourra déjà améliorer notre taverne. Tac. Hop là, c'est parfait. Ça, c'est bon. Et lui, ouais, c'est que lui, il met là le temps à graille. Hein. Ce charclot là. Enfin, ça y est, en plus, quand même, mais bon. Ok. Donc, je crois que je vous fais voir. De toute façon, le plus gros. Hein. Hop. Comme ça, ils auront plus qu'à ramener un steak. Lui, là, c'est lui, il faut qu'il se dépêche. Vraiment, c'est lui le problème. Les autres, ils peuvent te bouffer 10 trucs comme ça, toi, tu galères. On n'a pas accumulé une soupe en vif, là. Merci. J'étais en train de me dire, mais je suis complètement con. Il aurait pu toujours finir de bouffer l'autre. Hein. On aurait attendu encore très longtemps. Hein. Là, par exemple, une flé pour l'eau, les trucs. Il y a tellement de trucs qui sont possibles. Hop. Voilà, comme s'ils vont faire une flé. Faire une commande, du coup. Soupe, non! Non! Ah, salope! Oh, mais ce sont. Hein? Putain. Ah, nice. La fée s'en est occupée toute seule. Merci, ma poule. Je gère. C'est quoi que je voulais faire? C'est quoi que je voulais. Ah oui, la commande. Hop, petit présent. Du coup, on va demander une vingtaine de bières. Une vingtaine de saucisses. Une dizaine de légumes. Une vingtaine de... Même voire une trentaine. Parce qu'en vrai, on a augmenté le poids donc du dépôt. Et là, une vingtaine, si je peux aller jusqu'à 20. Oui. Voilà. Hop, et par la même occasion. Voilà. 1000 balles de... 1000 balles de course. Et surtout les aliments de la des fées, les gars. Faites vraiment gaffe à ça. C'est un truc qu'il faut... Il faut faire attention. Du coup, on va pouvoir améliorer normalement notre taverne. Attends, pourquoi il... Ah ok, je vais dire pourquoi il se barre. Il a de la place, non, non, non. Hop. Voilà. Faites-moi faire. Ouah, non, flemme. Je suis le patron, j'ai pas m'inquiéter de ça normalement. Voilà, occupez-vous de eux. Je vais la prendre, mais t'es plus rapide que moi cette fois-ci. Ok, donc là-bas ça a été servi, ça s'était servi. Lui il est reparti, ok, parfait. Augmentez votre réputation, mais elle est à fond, donc... Oui d'ailleurs je vous ai pas dit, mais le level max c'est... Du coup c'est 13 hein, la réputation. Donc, on va s'acheter un étage. Donc encore plus belle maintenant. Et on va voir ce qu'on avait bloqué dans les... Dans les meubles, du coup. D'accord. D'accord. D'accord, super ambiance. Ah ouais, non, là... Attends, mais il y a un étage. Ok, mais comment je fais?
pas très sécurisant, là. Non, c'est ma... Ah, d'accord. Et du coup, le prochain level, c'est de ce côté-là. D'accord. Oui, mais si en fait, il n'y a pas de table, c'est complètement inutile. Sans vouloir alors jeter la pierre. Est-ce que, par exemple... Ça, par contre, c'est bien. Ça, vous voyez, il aurait fallu plus d'emplacement, voire même pas d'emplacement pour lock. Vu des décos qu'on pose dans les murs. Et là, vous voyez, bah, un petit labrevoir de cheval avec de l'eau. Encore, c'est assez simple. Mais par exemple, servir 30 vins, 30 bières. Ça, je peux vous assurer que. On croit comme ça. Ah ouais, d'accord, c'est dit. Ah ouais, le plus. 10 au dos. Ah non, là, c'est 3. Ok. Mais du coup, ouais, ça c'est des trucs en fait qui prennent, qui vont, qui mettent leur temps quoi à faire. Comment expliquer? Là, par exemple, ça peut prendre très bien 10 minutes, comme 1 heure en fait. C'est ça le problème. Et moi, tout à l'heure, pour les 5, enfin, tout à l'heure, je vais pas vous cacher que j'ai fait ça hier, en préparation de cette vidéo justement. Ça m'a pris. Ça m'a pris je sais pas combien de temps. Je sais plus combien de temps exactement, mais. Bon, je pense que j'étais pas loin des 1h30, 2h, hein, pour faire les 50 de chaque, quoi. Et encore, j'avais de la chance, parce que comme je vous dis, tout était en fait en une seule fois. C'est-à-dire que j'avais toutes les missions d'un coup. Et là, vous allez voir, on a cette mission, mais je soupçonne qu'ils nous en mettent une autre derrière, quoi. Hop. Ce que je fais, les amis, c'est au pire des cas, j'ai fait une petite ellipse. Je vois si c'est long ou pas, d'accord? Si je vois que c'est assez rapide, je reviendrai vers vous pour le dernier level, ou alors, bah. Tout simplement, je reviendrai vers vous pour arrêter l'épisode et du coup la série. Parce qu'on sera, comme dit précédemment, sur le dernier. Nous sommes sur le dernier épisode. Donc vous voyez de toute façon au time code si on est sur la fin. Si on est sur la fin ou pas. Vous le savez même avant que là moi je le sache. Donc à tout de suite les amis. Bon, les amis, après moult et moult et moult. Chiasse, parce que ça va faire 45 minutes que je suis dessus. J'ai décidé du coup de faire l'amélioration avec vous en vidéo pour la fin de cette série. Voilà. Donc, on vient d'améliorer notre taverne. Elle est au level maximum. Je vais regarder si il y a des nouveaux meubles, même pas. Peut-être de la nouvelle déco, même pas. Donc, on est bel et bien arrivé au bout de cette série. Je vois qu'il y a un petit truc là-bas, attendez. Ça me perturbe, donc je vais voir ça tout de suite. C'est quoi ça? Ok, donc maintenant, on a du foin. Ah, c'est pour les voleurs. Ok, donc attends, du coup. Ah. Ok. Bon bah j'ai bien fait de se faire de le faire avec vous parce qu'on a appris quand même un petit truc. Et là du coup c'est de l'eau. Bah écoutez, au moins on est au jus d'un truc. Juste à nettoyer les toilettes parce qu'ils vont pas le faire les
Abreuvoir vide. Oui. Je suis au courant, je vais m'en occuper. Ça, du coup, il l'avait pas mis dans l'amélioration de la taverne, mais après, du coup, là, on fait quoi, parce que, vu que c'est le dernier level, normalement, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à faire derrière, je crois. Hein. Parce que là, vraiment, on est, enfin, les mecs, ils ont, ils sont royales, quoi, ils, Ok, bah voilà, on a ça. Ah d'accord, c'est pour les chevaux de noble, ok. D'accord, bon, bah, écoutez, au moins. On s'est fait ça en plus. Hop, je décide de... On va livrer quelques trucs pour aider les fées. Pourquoi c'est aussi dégueu? Hop. D'accord, en fait, c'est les tables qui sont... Mais de toute façon, on n'a plus rien débloqué, hein, parce qu'on vient de débloquer tout simplement le dernier palier, donc je suppose que c'était vraiment la fin. Après, je sais pas s'il y a des nouveautés sur le jeu. Oh putain. Hop là. Bon, toi, c'est un cheval de noble. C'est-à-dire comment je suis... Ah d'accord, je l'emmène. Ok. Bon, bah au moins on aura... On aura même pas la même occasion de tester, du coup. Le chevaux de foin de 5 à 5 sur 10. Ah, mais ça, on peut le faire maintenant. Bah, vous savez quoi, on va le faire avant même de... Attends, peut-être que je peux le rentrer par là. Non? Bon. Sérieux? Oh! Oh, je lui ai mis la fourche dans le fiac, mon pote. Ah, tu peux pas mettre plus. D'accord. Très bien. Et bah écoute les amis, j'espère que vous aurez kiffé cette petite série sur Taverne Simulator. S'il y a de la nouveauté sur ce jeu, je vous ferai un petit rappel tout simplement. Voilà. Une petite vidéo pour vous remettre un peu dans le contexte, même pourquoi pas. S'il y a vraiment une grosse mage qui arrive sur le jeu, pourquoi pas même tout simplement vous repérer une petite série des familles si ça vous intéresse bien entendu. Moi en tout cas ça me dérangera vraiment pas de faire cette série parce que vraiment c'est un jeu que j'apprécie fortement. Et si vous aussi vous l'avez apprécié, bah n'oubliez pas de vous abonner, lâchez le petit like. On n'oublie pas de lâcher un petit commentaire si vous avez peut-être des choses à me dire concernant le jeu, si c'est le cas, les commentaires sont là. N'oubliez pas aussi que les amis, vous pouvez rejoindre la chaîne en tant que membre, donc c'est payant, donc il y a plusieurs paliers. Plus vous prenez un palier haut, plus vous avez des bonus supplémentaires. En tout cas, je compte sur vous pour partager un maximum de cette chaîne YouTube pour qu'on atteigne les 1000 abonnés, et on se retrouve très prochainement sur Star Citizen ou sur un autre jeu, justement.